Tout est bien qui finit bien. C'est ce samedi 23 juin marque la fin de l'année scolaire 2023-2024 à l'école maternelle Les Érudits. Il est 9h lorsque la cérémonie débute dans la cour de l'école Érudit de 6 ans, l'avenue Golf System, sous forte animation de bambins. Pour l'année 2023-2024, quelques deux filles n'ont pas manqué, fait savoir le directeur. Nous n'avons pas eu des difficultés majeures, mais peut-être les petits détails que nous pouvons mentionner, c'est lié à la confusion que les parents avaient sur les inscriptions. Voilà, c'est clair que les inscriptions sont gratuites, ça c'est connu de tout le monde, mais cela ne veut pas dire que il y a des frais mensuels que les parents doivent payer. Ça, ils doivent payer. C'est dans les secteurs publics qu'il y a la gratuité. Donc, c'est cette confusion que nous avons eu à rencontrer, ces problèmes que nous avons eu à rencontrer cette année. Au cours de cette manifestation, les enfants de la maternelle et ceux du primaire ont exhibé de pas de danse, présenté de scénettes, sketchs et récitations devant le parent, les responsables de l'école ainsi que d'autres invités de marque. Le moment tant attendu est venu et celui de la présentation de finalistes qui vont se lancer dans le cycle primaire. Ces derniers se sont défendus devant le public à travers les démonstrations des écritures et des lectures. Un moment riche en émotions. Riche laboureur, j'entends sa mort prochaine. Tout cela dépassait un peu Zélina. C'est ainsi le moment du directeur de remercier le parent d'élève à la confiance accordée tout en les encourageant pour l'année prochaine. Aux parents, c'est de pouvoir d'abord les remercier parce qu'ils ont rehaussé de leur présence à cette manifestation. Ils ont abandonné leurs activités qu'ils devaient faire. Ils sont venus pour voir ce que les enfants devaient réaliser. Alors nous tenons sincèrement à pouvoir les remercier. Mais les remercier également pour la confiance qu'ils nous ont faite. Ils ont amené leurs enfants, mais également ils ont fait les suivis et nous en sommes reconnaissants et nous voulons sincèrement les remercier et leur dire de continuer à nous faire confiance parce que nous allons continuer à pouvoir apporter satisfaction à leurs besoins. Chaque année qui passe, l'école Les Érudits fait un pas vers l'excellence en offrant une formation de qualité aux élèves.